Voilà. Alors là, oui, j'ai mes collègues qui les font entrer et moi, je suis renfort si des fois il y en a qui sont en retard pour les faire rapatrier. Donc, je suis Sébastien Cluzel, hein, je suis éleveur ici dans le Puy-de-Dôme, pas très loin, à 70 km. Où ça? Au Montel de Gela, tout près de Pont-au-Mur. Donc je suis président du Hardbout de Charolais aujourd'hui, l'association qui gère la certification de race pure en race charolaise pour le coup au niveau national. Et la charolaise, ça représente combien d'animaux, combien d'éleveurs au niveau national et dans le département, puisqu'il y a plus d'hommes? Alors la charolaise, c'est 1 600 000 vaches, environ 43 000 éleveurs au niveau national. Donc la plus grosse race allaitante au niveau national et en Europe, hein, avec ce gros effectif. Dans le département, c'est aussi la première race allaitante, hein, puisqu'on compte environ 50 000 vaches charolaises. Voilà, et spécialement, c'est pour la viande. Oui, alors le but premier, c'est bien entendu la production de viande. Alors sur nos zones, sur le massif central, on a des animaux dits broutards qui s'en vont maigres sur l'Italie. Ça, c'est un gros créneau chez nous, dans nos zones du massif central. Et puis sinon, l'engraissement de taurillons, de vaches de réforme à destination de... Évidemment que c'est dur. Évidemment que c'est très dur en ce moment. Alors j'ai eu la chance, de déjeuner avec le président Macron tout à l'heure. Qui a, je pense, pris conscience de la détresse qu'on traverse actuellement pour le coup. Maintenant, on va attendre de voir les solutions qui vont être proposées pour que ça aille mieux demain, mais c'est demain, quoi, c'est pas après-demain. Aujourd'hui, il y a urgence, les éleveurs sont en forte détresse. Je pense que même nous, qui sommes du milieu, on l'a ressenti sur le salon actuellement. Et le président avait besoin de venir s'imprégner de ça, et je pense qu'il a, pour le coup, il n'a pas été déçu parce que les éleveurs ont brandi le drapeau rouge en disant la situation elle est grave et urgente à régler. C'est le champion de l'année dernière, ça? Ah non. On vient jamais avec un champion. Non. Jamais. On verra au moment venu. C'est toujours intéressant d'avoir un prix comme ça. Ça permet de reconnaître le travail qu'on fait tout au long de l'année sur l'exploitation, la sélection de l'élevage. C'était première one l'autre jour, donc c'est la confirmation. Voilà. Moi, je suis secrétaire de région et responsable du service génomique. D'accord. À quel endroit? À Manicourt. C'était le concours de quoi? C'était national. National adulte. Grande satisfaction, là. Oui. Ah, vous êtes là. Spécial, non? Oui, c'est le prix de championnat. Mais bon, en principe, c'est une vache suitée, une vache avec un veau. Participation, je suis super content parce que bon, j'ai fait 600 km pour venir ici et je les ai pas fait pour rien. Beau prix là, on est satisfait là. Ah oui, satisfait de la journée, oui. Ouais. Oui. Voilà, des belles journées, ça. Voilà. Ah, vous êtes fiers de la bête et de son veau là. Bien sûr. C'est mon frère qui est propriétaire, mais là aujourd'hui il a le dos coincé, donc il est dans les tribunes, il regarde. Vous aviez deviné là, hein? Comment? Vous aviez deviné? Ah non, je ne sais pas. Thank you.
l'émotion. Bien content. Voilà, bravo. Ouais. Le championnat peut être parrainé donc par le Pure Dire et